Journée au tribunal de Perpignan où l'on retrouve Chloé Fat. Bonsoir Chloé. Le travail d'enquête ne fait que commencer. Il sera long et délicat. Oui, en effet, cela prendra du temps. Vous l'avez précisé, les constatations à l'intérieur des bâtiments par les 6 enquêteurs de la brigade spécialisée de la gendarmerie nationale ne pourront réellement commencer que demain. Le procureur l'a dit, les enquêteurs devront travailler petit bout par petit bout. Chaque gravat devra être analysé pour déterminer s'il est intéressant ou non pour l'enquête. Toutefois, le travail de recueil des témoignages, lui, a déjà débuté. Mais ces récits doivent de toute façon être confirmés par les images de vidéosurveillance de la commune. Ce sont au final tous ces éléments croisés les uns avec les autres qui permettront aux enquêteurs ainsi qu'aux procureurs de la République de Perpignan de déterminer une hypothèse, qu'elle soit criminelle ou accidentelle. Merci beaucoup, Chloé. Un policier.